On lui demande et il dit ⁇ Écoutez bien, écoutez bien ⁇ Personne n'est au-dessus de lui en parlant de, 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 de simple. Et il dit simple, évidemment. Pour moi, c'est le euh, greatest of all time de ce jeu. Vous voulez échanger vos skins Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalexSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Torin a encore pété les plombs, selon euh, les fans de Counter-Strike, euh, qui sont bien évidemment euh, fous, amoureux, surtout de Zibou. Et euh, pour d'autres, euh, dit euh, des faits qui sont réels, mais toujours dans la tendance toxique, voilà, c'est la patte un petit peu de notre taurine euh, international, c'est qu'il aime dire des vérités, mais toujours, toujours, toujours dans certains contextes qui sont pas pris en compte et donc forcément qui font polémique. Voilà, c'est vraiment sa, sa, petite patte, euh, sa petite patte à taurine. Et donc, qu'est-ce qu'il dit euh, je... Accrochez-vous, accrochez-vous. Si Nico, donc le joueur de G2, avait pu jouer contre Into the Breach, euh, Apex et Gamer Legion lors des playoffs de Major, il en aurait gagner également un voilà euh, vous pouvez dire que les fans de ZywOo ne se soucient pas de la grandeur en voyant à quel point ils sont un peu dicks lorsqu'ils se vantent voilà ils lâchent un petit truc euh, comme ça un peu toxique pour minimiser le fait que Vitality ait été champion euh, du monde donc en 2023 lors du Major à Paris et que ZywOo en plus ait décroché le MVP parce qu'en fait on a joué des adversaires catastrophiques Gamer Legion, Into the Bridge, Apex etc bon très honnêtement je vais donner mon avis maintenant personnel et surtout objectif je pense que le Major Paris est pas un des pires, mais il est parmi les moins bien euh, quand on voit les playoffs, les équipes qui y étaient, ce genre de choses, le niveau n'était pas extraordinaire, mais c'était dans l'ensemble, alors que Vitality était à son meilleur niveau cette année-là, tout court et encore dans cette continuité-là, parce que l'année 2023 de Vitality, ce n'est pas uniquement le major, mais c'est plein de titres internationaux et une domination qui a fait rentrer Vitality dans l'histoire de Counter-Strike et ZywOo euh, euh, également. Donc pour le coup, je pense que Vitality peu importe l'adversaire qu'ils avaient eu à ce moment-là, ils les auraient arrachés. Parce que derrière, on a gagné des finales contre Face, des finales contre Heroic, contre qui vous voulez cette année 2023. J'en avais fait une vidéo justement de récapitulatif en fin d'année 2023. Et donc, pour le coup, pour moi, il n'y a pas de débat sur le fait que Vitality est un champion ultime et mérite ses, ses, ses médailles. Maintenant, je rejoins quand même Torin sur le fait que peut-être, si, parcours, machin, ce que vous voulez mais il faut y arriver à ce parcours là combien de majors combien de qualifications perdues à cause du tirage pas à cause du tirage on est là pour battre tout le monde si on a des adversaires un peu moins bons tant mieux si on n'a que des monstres ah, c'est sûr que c'est pas je vais dire la vérité, le parcours de Navi où euh, ils sont champions en ayant battu euh, G2, Phase, etc. Avec une finale complètement folle et tout euh, en 2022-2021, je crois. Et, et donc, euh, je, je le rejoins peut-être un peu ici. Maintenant, il ressort, il dégaine une autre statistique. Je vais vous la montrer, celle-là. avec. Euh... Donc, faites très, très attention, on ne parle pas de MVP, on ne parle pas de meilleur joueur au monde. On parle vraiment de Best LAN player et là bah, bien évidemment c'est factuel ce qu'il dit mais regardez encore une fois c'est vraiment pour jouer sur les mots pour jouer sur les stats et pour montrer voilà pour clowniser euh, Zywot j'ai envie de dire avec euh, qui était le meilleur joueur en LAN à cette année cette année cette année cette année et c'est systématiquement entre guillemets euh, Zywot qui passe euh, derrière Simple euh, pour mettre en avant la suprématie de Simple etc 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 donc vous voyez bien on a encore une fois une manipulation des stats pour euh, mettre en avant un joueur que dans un certain compartiment de jeu et pas sur un autre. Mais euh, Counter-Strike, ça se joue en online et en LAN également. Bien évidemment, on préfère les LAN. ZywOo est un joueur extraordinaire, que ce soit en online ou en LAN. Il a toujours été euh, fantastique. Les années, justement, où il prend euh, Simple devant, bon, on va donner euh, 2020, 2021, 2022. ZywOo, il joue avec des, des boulangers et des pâtissiers, quoi. Avec 2022, c'était l'ère aussi de l'internationalisation avec l'arrivée, justement, des Dan mais la transition, c'était très compliqué aussi. C'était une année catastrophique. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc Zywot n'est pas aussi épaulé comme il l'a été. Notre ami Simple et la maturité aussi des années. Donc pour le coup, je trouve que ces arguments sont complètement foireux. Et maintenant, passons à la déclaration complètement folle de, de Zywot qui va mettre tout le monde d'accord. Qui va mettre tout le monde d'accord et dont je vais répondre encore une fois de manière objective. On pose donc forcément la question euh, lors des UM Katowice qui sont en train de se jouer aujourd'hui cette semaine Wood, qui est le greatest of all time de Counter-Strike vous me donnerez bien, bien entendu votre classement à vous dans les commentaires et on lui, donc, on, on, on lui demande et il dit écoutez bien écoutez bien personne n'est au-dessus de lui en parlant de de, 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 de Simple et il dit « Simple, évidemment. Pour moi, c'est le euh, greatest of all time de ce jeu. Pourquoi bah, Il joue depuis environ euh, 8-9 ans dans CSGO et vient il et, et détruit tout le monde. Il a remporté un major et de nombreux titres de MVP, donc de meilleur joueur mondial. Donc euh, 3, exactement le même nombre que ZywOo qui l'a égalé justement cette année. Et 2 euh, deux fois deuxième exactement comme ZywOo. Je pense que dans l'ensemble, il mérite d'être numéro 1. Personne n'est au-dessus euh, de lui. Voilà. Pourriez-vous, et là pose une question euh, très pertinente, pourriez-vous comprendre s'il y avait quelqu'un qui disait que ce serait vous, euh, donc le greatest of all time, vous, monsieur Ziwu, et pas Simple et il, disait, et il dit oui et non en fait, je ne pense pas être le, le GOAT ou quoi que ce soit, je joue juste à mon jeu, je m'en fiche, et en fin de compte, si je suis le GOAT ou non, bah, j'en ai, ai strictement rien à faire, et c'est comme ça qu'il qu est fort. Il l'a dit en interview un peu plus tôt, enfin en fin d'année 2023, il a dit que quand il se focalisait justement, il y avait un moment où il avait pas un problème d'ego mais il y a un moment où il a pris conscience un peu de tout ce qui euh, l'entourait et il a dit que il prenait peut-être conscience de son statut, de euh, de l'environnement et que il voulait focaliser peut-être un peu les stats, qu'il voulait aller grinder deux trois trucs et il avait eu la pire forme de sa carrière individuelle et, et lorsque il joue totalement relâché et qu'il pense au collectif à ce genre de choses bah là le mec il déboîte il cartouche des headshots et il, il réalise des statistiques absolument folles donc il reste avec cette mentalité là parce qu'il a totalement compris qui il était maintenant je trouve, il n'est pas encore arrivé à maturité absolue mais on voit bien qu'il est en train de mûrir, qu'il est, qu est extrêmement fort. Des déclarations aussi très intéressantes écoutez bien parce qu'on pose la question à plusieurs joueurs euh, et notamment Nico, qui est considéré comme le meilleur rifle de tous les temps sur Counter Strike, et le joueur à qui il manque justement cette couronne et ce titre mondial qu'il n'a jamais obtenu en major, mais pour le coup, il a quand même gagné Katowice, Cologne, les tournois les plus prestigieux de Counter Strike, ce qui n'est pas le cas des joueurs français, parce que nous sommes maudits dans ces tournois-là, sachons-le. Et donc, pour le Greatest of All Time de CS:GO, j'opterai soit pour Simple, parce qu'il joue depuis longtemps au sommet, etc. De toute évidence, c'est le joueur qui a le plus séduit le monde du Prêt est également euh, tout en haut, mais euh, j'irai entre Simple et Device. Voilà ce qu'il dit. Si je devais en choisir un, je choisirais Device parce que euh, je pense que chaque joueur veut privilégier les réalisations d'équipe. Voilà les, les achievements, les titres collectifs plus que les titres individuels. Et dans ce cas, je pense que Device est le meilleur. Voici la déclaration de Nico que je vais corroborer avec une énorme interview que nous a délivrée Simple, mais également les dire de euh, ZywOo euh, parce que ce sont pour moi les trois joueurs les plus euh, grands de, de counter-strike c'est ziuw simple et device mettez-les dans l'ordre que vous souhaitez et nico qu'on peut mettre en quatre. Et donc forcément, là, on a la vie un petit peu des quatre. Et euh, surtout ceux de, des deux concernés, hein, qui se font la bagarre, bien évidemment, ils s'apprécient, mais euh, on, on les met tout le temps en opposition. Et donc, euh, déclaration de, de Simple un peu plus tôt, dans une interview qu'il a laissée à Torin, de, de deux épisodes, de une heure et quelques de chaque. Si vous voulez regarder un peu de Counter-Strike, allez regarder ces interviews, elles sont incroyables. Et donc, euh, Simple qui dit, j'échangerai euh, plusieurs titres individuels et tous les matchs perdus, euh, grosso modo, contre des titres de collectif des, 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 des majors, si je devais être dernier de scoreboard, etc., je les échangerai contre des titres internationaux. Voilà ce que dit Simple euh, dans les grandes lignes. Et quand on écoute Zivou, c'est exactement la même chose. Je suis au service de l'équipe, moi je joue pour les, pour les gens, je m'en fous de... Euh, je me rappelle, il y avait eu des polémiques sur les armements, les équipements, quand euh, Apex euh, se retrouvait avec des AK et qu'on euh, avait euh, Zivou qui se retrouvait au Deagle, etc. Ça faisait euh, scandale sur les réseaux sociaux. Non, donnez l'arme à Zivou, euh, vous, vous n'êtes pas capable de fraguer ou je ne sais quoi. Parce en gros, il dit Je suis au service de l'équipe, je m'en fous d'avoir tel armement, etc. etc. Et donc, c'est pour ça que je rejoins sur l'argument de Nico sur le fait que, eh bien, Device, pour moi, quand même, euh, il manque euh, il manque euh, cette reconnaissance individuelle. Et pour moi, il a été volé d'un top 1 MVP euh, en 2018-2019. 2018, je pense, c'est Simple qui le remporte. Et pour moi, c'était Device qui aurait dû le remporter, alors que Simple est largement au-dessus individuellement, sans aucune contestation possible. Pour euh, pour Magisk, Magisk euh, lui-même répond à la question Je vous vous évite tous les je vais vous faire des raccourcis et il dit que pour lui c'est simple pour blamef euh, il dit que c'est device euh, jabi il dit que c'est device etc et maintenant je vais vous mettre un tableau comparatif des trois plus grands joueurs les trois plus grands joueurs de l'histoire de counter strike individuellement mais également un petit peu collectivement ce sont simple euh, device, appareil, appareil, t'es malade, t'es malade, t'es mal traduction. Simple, Device et Ziwu avec euh, le nombre de LAN qui ont été remportés 17, 29 et 12. Donc, Ziwu est derrière. Le nombre de majors qui ont été remportés 1 pour Simple, 1 pour Ziwu et 4 pour Device. Le nombre de MVP, le nombre de titres de meilleurs joueurs individuels sur les tournois majeurs 21 pour Simple, 19 pour Device et 18 pour Ziwu. Et Ziwu va encore en gagner cette année. Ne nous le cachons pas, il dépassera tout le monde. Euh, le nombre de, de numéro 1 mondial, donc l'équivalent le, le, du ballon d'or, on en a 3 pour vous 3 pour Simple. Selon moi, il aurait dû en gratter au moins un device en 2021. C'est une aberration. Voilà, je vous le dis, c'est un scandale qu'un joueur qui ait gagné 4 Majors, back-to-back, back, qui ait dominé la scène de 2017 à 2020 sur ces trois. Trois années et demie n'est pas gagné le titre de MVP en numéro 1 parce que, en gros, je vous le dis, HLTV qui euh, faisait les élections, etc., et attribution de points ou je ne sais quoi, avait dans la tête de la semoule. Voilà, il devait très certainement penser Ouais, mais c'est bon, t'as gagné le major, t'es multimillionnaire, on va donner le MVP à un autre. Et aujourd'hui, il s'en mordent les doigts et je pense qu'on peut s'en mordre les doigts encore une fois à l'heure actuelle. J'ai déjà donné cet argument et je le redonne encore aujourd'hui. On peut s'en mordre les doigts aujourd'hui de ne pas lui avoir distribué de titre de numéro 1 un Mondial parce qu'en fait, est-ce qu'aujourd'hui il pourrait réatteindre le top niveau du top niveau du top niveau, même s'il si est stratosphérique individuellement? Device avec Astralis, sachez-le, ils reviennent dans le top mondial de fou. Mais est-ce qu'il pourrait rafler ce titre de numéro 1 à l'heure actuelle? Et est-ce qu'on pourrait pas dire putain, on a raté l'opportunité il y a quelques années de lui donner parce qu'il le méritait? Et euh, bah Zew simple, ils sont en train de grinder dans tous les cas parce que je pense que dans leur tête, les, 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 les mecs qui, qui font les votes ils se disent c'est pas grave, l'année prochaine il montera encore en puissance et cette fois ce sera incontestable et on lui délivrera il y a un monde où les gens réfléchissent comme ça quand ils vont donner des trophées euh, et donc ça moi ça me ça, ça me déplaît totalement côté simple device et zhu on peut voir que les ratings sont complètement ouf mais device est un cran en dessous mais un 16 sur une carrière aussi longue vous vous rendez pas compte à quel point c'est stratosphérique et euh, voilà le nombre de cartes totales qui ont été jouées 1200 contre quasiment 2000 et 1700 on voit bien qu'il y a un écart de participation entre ces joueurs là qui sont certains euh, beaucoup plus euh, expérimentés qui sont en place depuis plus longtemps que notre ZywOo national. Pour moi, le greatest of all time sur CS:GO, c'est simple. Pour moi, celui euh, qui à qui manque ce titre individuel et cette reconnaissance, c'est Devise sans aucune contestation. Pour moi, le joueur qui est trop fort, trop complet, le joueur hybride nouvelle génération qui, qui s'est imprégné de tout. Toute l'expérience des, des joueurs précédents, c'est ben vous Et c'est la version parfaite de tout ce qui s'est passé avant lui. Et maintenant, les greatest of all time de Counter-Strike pour mettre du respect sur absolument tout le monde. Des gens qui ont innové, des gens qui nous ont inspiré. On va en mettre des dizaines, en fait. Voilà. Donc pour moi, le trio, c'est ces mecs-là. Ils sont au-dessus du lot, vraiment. Mais je laisse l'héritage quand même. À Get Right, à Forest, à Flusha, à DW, à Fallen, à Colzera, à Olof Meister, tous ces mecs-là, Forest, euh, euh, Neo, Pacha, Snacks, euh, les joueurs français, bien évidemment, Shox, et j'en passe, des Kenny etc., qui ont révolutionné le jeu de Counter-Strike, qui ont professionnalisé le jeu de Counter-Strike, qui ont innové dans l'aspect tactique, dans l'aspect individuel, dans les positionnements, dans les méta. C'est eux qui ont tout créé et partir de rien, partir de l'inconnu et avoir la créativité de mettre une smoke à un endroit, de mettre une molo à un endroit, de se mettre à un positionnement à un endroit, c'est toujours plus difficile que après venir quand le chemin est pavé et venir euh, euh, entre guillemets juste apporter une touche personnelle. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus euh, difficile. Donc pour moi, je mets du respect sur tous ces joueurs-là que je considère comme les goths de euh, l'ère de l'esport et surtout de Counter Strike. Mais au-dessus, euh, pour moi, c'est simple. Zivou Device. Voilà.